Bonjour à tous, c'est Natix et c'est pour vous montrer un nouveau système Redstone sur Minecraft. Alors, c'est un piège qui n'est possible que dans la 1.3.1 qui vient de sortir. Donc, pourquoi? Car le système de détection n'est que un fil. Donc ce fil, quand on va passer dessus, il va activer ici un trou qu'on peut... on peut mettre de la lave, on peut mettre ce qu'on veut, et en même temps on va lever les blocs ici, ce qui fait que normalement il y a encore moins de chances de pouvoir passer. Donc si vous passez, vous allez tomber, même en courant. Attendez, là j'ai pas couru, mais vu que les blocs se lèvent, il y a très peu de chances de pouvoir passer. Si on ne le remarque pas, évidemment. Voilà. Ici, c'était la fois où on peut passer. Donc, quelquefois, ça bug un peu. Surtout quand on passe au milieu. Mais sinon, on se fait bloquer. Alors, donc, le système est assez compact. Sauf pour le système de détection. Et ce qui était marrant, c'est qu'on pourrait aussi rajouter un bloc de musique. Par exemple. Pour faire un son. Voilà, quand on passe, ça fait tomber. Alors, donc, je vais vous montrer le système. On va commencer tout de suite. Donc, on va commencer par le système où le trou s'ouvre. Donc, cette partie ici. Donc, le piston ici. Les deux pistons. Les quatre pistons ici. Ici, la redstone qui va jusqu'ici. Et donc, aussi de l'autre côté. Donc, on va commencer. Donc on met les quatre pistons, les deux pistons vers le haut, à côté, tous collants. Et on met ce qui va être la partie qui va se trouver. Donc ces blocs-là que je viens de mettre vont se retrouver ici. C'est ces deux-là. Et on voit les pistons. Donc voilà. Ensuite, vous recouvrez. Ce sera le sol qui sera avant l'ouverture. Donc, quand le système est désactivé, voilà. Un trou ici. Où on pourrait, par exemple, mettre de la lave là, pour tuer les gens. Voilà. Par exemple. Hop, voilà. Donc, ça, c'est un trou mortel. Alors, donc, maintenant, la partie plus redstone. Donc, hop, ici, vous posez 4 blocs. 2 repeater au 4e cran. Un peu de redstone. Vous l'amenez jusqu'ici. Bon, je suis un peu fatigué. Parce qu'il est 8h du matin. Alors, un repeater ici, un bloc en face. Donc, les pistons, les quatre pistons ici, vont pousser les deux pistons plus les deux blocs, ils vont être activés directement par ce bloc qui est alimenté lui-même par le repeater. Donc, il va alimenter les pistons qui vont se trouver ici. Donc, démonstration. Ah. Voilà. Alors maintenant, c'est très simple, c'est juste pour les deux pistons ici qui vont pousser les blocs devant le trou pour empêcher le joueur de passer. Donc c'est très très simple, il suffit de rajouter quelques petits détails. On va rajouter une torche ici, une torche ici. Un bloc. Un piston. Voilà. Excusez-moi, je lag. Un piston. Et
ou ajouter deux blocs. Bon, ensuite, vous faisiez le couloir, hein, je fais pas et très vite, voilà, hop, hop, hop. Ici, hop, hop, hop. Hop, hop, bon. Pas. Et enfin, le système de détection. Alors, pour le système de détection, c'est ça qui prend le plus de place. Pour le remarquer le moins. Le fil en lui-même qui passe sur les planches ne se remarque pas vraiment. Ce qui se remarque le plus, c'est les trous voilà, de chaque côté. Donc, c'est un peu le problème de système de détection. Donc, il est presque invisible, sauf quand on le voit passer. J'ai voulu le faire en l'air, mais apparemment, ça ne marchait pas. Ici, je ne sais pas pourquoi. Donc, hop, placer les fameux système pour tendre les fils, le système de détection, les tripwire hook, donc et vous posez du fil d'araignée ici au milieu, tout simplement. Et donc ça va faire correctement, ça va tendre le fil et dès qu'on passe dessus, voilà, ça fait le bruit comme une plaque de pression. Ensuite, hein, vous fermez, moi c'est juste pour faire joli. Moi je l'aime beaucoup. Voilà. Voilà. Ensuite, c'est pas compliqué non plus. Vous mettez. Excusez-moi, je l'aime beaucoup, je sais pas trop pourquoi. Hop. Hop. Hop, c'est très simple. Ici, la torche va alimenter cette pointe de redstone. Et donc, on va aller jusqu'au suivant. Bon, une suffit. Vous n'êtes pas obligé de mettre ici le deuxième qui est exactement le même système. Enfin, le même fil. Hop. Hop. Hop, hop. Mais moi, je préfère le laisser pour une sécurité, entre autres. Comme ça, si un seul est désactivé, et un seul est activé, celui-ci, la torche ici restera allumée et donc le système aussi. Voilà. Donc voilà le petit test. Hein. Et voilà. Et je crame et je sais plus remonter en fait. En plus. Bon là je triche un peu. Hein. Donc voilà. C'était un petit système. Un petit système avec Natix. Au revoir à tous.